Toutes les rencontres du FC Metz sont sur DirectFM et directfm.fr. Et c'est la pause au stade Saint-Symphorien avec le FC Metz qui affronte Lyon. Ce soir, 45 minutes de jeu et toujours pas de but. En direct de Saint-Symphorien, on va retrouver Dorian et Sylla Marchal dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver deux musiciens. On les a découverts il y a 2 ans avec le tube Les Crocs du Dragon. Et cette fois, Risbo et Garnet B, eh bien, anciens membres du groupe Émissaire de Paix, signent un nouveau titre qui se nomme Folie Grenat. Et c'est Axel Vatrin qui est allé à leur rencontre cette semaine. Risbo et DJ Garnet B, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous sur Direct FM. Vous venez de sortir votre nouveau titre Folie Grenat. Mais avant de parler du nouveau titre, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé à faire de la musique ensemble? Nous, on a commencé la musique chacun de notre côté. Et puis, on s'est rencontrés à l'époque où on tournait le clip Les Crocs du Dragon. Et puis, c'est tout simplement la passion du foot et puis de la musique qui nous a réunis. Le DJ m'a fait un remix de Ici c'est Metz. J'avais bien accroché, après il m'a fait des autres mix pour des autres sons, j'ai bien accroché et puis c'est parti comme ça quoi. En effet, on s'est rencontrés lors du clip des Crocs du Dragon. On travaille tous les deux ensemble, je pense qu'on se fait confiance mutuellement et ça nous permet d'avancer. Et bien justement, votre nouveau titre Folie Grenat, on va l'écouter tout de suite sur Direct FM et on revient dans quelques instants avec vous. Chauffe la sune pour les potes, deux pour le coffre. Ça se propage à travers les époques. Tout petit, je suis tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. Mon maillot, je l'ai floqué Risbo. Liberté pour les ultras sur le tifo. Tout petit, je suis tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. Un nouveau son pour te parler de mon club. C'est le plus beau, ma team est dans mon cœur. Depuis tout petit, j'ai cet esprit lorrain. Ma maison se nomme Saint-Symphorien. Je me souviens quand j'ai grimpé ces marches. Devenu accro dès mon premier match. La tribune basse était bâchée. Depuis, je ne l'ai jamais lâché. De la Liga au National, on a fait le yo-yo. Immortel comme le tambour de Manolo. Le capot sur l'estrade, on parle au point. Les chants repris par les Lorrains. On chante d'une voix, le stade est en fête. Et les week-ends prochains, on fait la même en dev. À travers la France, j'école mes stickers. On est plus chaud que le speaker. Une pour les potes, deux pour le coffre. Ça se propage à travers les époques. Tout petit, je suis tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. Mon maillot, je l'ai floqué Risbo. Liberté pour les ultras sur le tifo. Tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. Raoul Imag sur ma télé. Les punchlines sont des buts à la zénier. On a des valeurs chez nous, y'a pas de neuf. Je protège mon but à la casse. On a l'esprit de la gagne. Demande à Pires. Rien à battre de leur foot business. Avec les poteaux sur qui je peux compter. Collé à d'or à la Bocandé. Si on te voit perdre, on met le turbo. Triplé à la Tony Curbo. 84, on sort vainqueur. Collectif comme les DT Flingueurs. Marque l'histoire comme Inge Berger. La Coupe de France, on va aller la chercher. Tu peux compter sur nous, tu sais, y'a pas de galère. Je suis fidèle à la Pascal Pierre. Sauf place une pour les potes, deux pour le coffre. Ça se propage à travers les époques. Tout petit, je suis tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. Mon maillot, je l'ai floqué Risbo. Liberté pour les ultras sur le tifo. Tout petit, je suis tombé dans l'engrenage. Bienvenue dans ma folie grenade. FC Metz résonne dans le stade. FC Metz, sortez les écharpes. Folie Grenat, c'est donc le nouveau single de Risbo et Garnet B. On l'a compris, c'est un son indispensable, j'ai envie de dire, pour tous les fans du FC Metz. En parlant du FC Metz, justement, la saison du club messin était un peu perturbée par des événements extra-sportifs. Est-ce que ce son, ce rap, c'est un moyen d'appeler tous les supporters à se rassembler? Oui, bien sûr, c'est un titre fédérateur. Nous, on a travaillé le morceau de façon à ce que personne ne soit écarté, tout le monde se sente concerné. C'est tout simplement... On parle de l'amour du club, je pense que pas mal de personnes vont se reconnaître dans ce titre. Bah, par rapport au clip, on a essayé justement d'apporter des choses qu'il n'y avait pas avant. On a pu, j'ai pu d'ailleurs lui faire la surprise d'avoir un entretien avec Carlo Molinari, d'avoir Stéphane Borbiconi en guest au niveau du clip, et moi ça me fait plaisir. Ça permet aux gens aussi de voir qu'il n'y a pas que cette époque-là, il y a l'ancienne époque aussi. Le FC Metz, c'est une grande famille.
famille et que tout le monde est ouvert à toute proposition. Comment ne pas évoquer votre passage dans l'émission J+1 sur Canal+ à la fin de l'année 2016? Le fait de pouvoir se produire sur une grande chaîne, sur un titre du FCMS, c'est un rêve qui s'est réalisé? Oui, c'est un rêve, ça a ouvert pas mal de portes, c'est une belle expérience et puis c'est surtout un bon souvenir entre potes. Ouais, franchement, c'était une expérience, je pense, que beaucoup aimeraient vivre. Après, faut pas oublier non plus qu'avant Canal+, il y a Mirabel TV et Arnaud Kael qui nous ont fait confiance, et c'est important de le dire aussi parce que c'est les premiers à avoir passé le clip, à nous avoir invités en live. Donc je pense que ça a commencé par là, et petit à petit, bah, aujourd'hui on est chez Direct FM et on va pouvoir écouter le clip Folie Grenat. Parole de supporter, merci beaucoup Risbo et DJ Garnet B. Je rappelle que le titre Folie Grenat vient de sortir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Direct FM, et on vous souhaite bien sûr une très bonne continuation à vous, messieurs.